Tu fais toi. C'est bon, tout ça. Mais moi, si vous donnez moi, voilà. Bon. On y va. On peut tourner dans le. Dans le Jeep police. Voilà. C'est notre pays, mon gars. À un moment donné, il faut se donner le courage. Il faut se donner le courage. Merci. Ouvre. Non, ils disent on ne descend pas. Tu n'as pas compris. Le général a dit qu'on nous amène, nous tous. La fille qui l'a filmé était pas. Robot, la mouille qui est insultée. La autre filmée était. On veut juste dire que là on vient de nous arrêter là. On va dépiquer. Je vais déposer un mémo au ministre des Affaires étrangères par rapport à ce fameux dossier racisme. Voilà. Donc là on nous amène à l'IPEKIN. On a au moins une trentaine de personnes. À l'IPEKIN. Voilà, nous sommes en train de nous diriger en ce moment vers l'IPEKIN. On a tous été arrêtés sur ordre du général, du commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Principalement, Yari Gomba a été maltraité par les policiers. Ils ont pris des forces. On ne sait pas pourquoi. Et pourtant, on leur a signifié qu'on est venu dans les calmes pour parler, déposer les mémos et repartir. Voilà. Écris sur mon mur, tag Arlène, Vigo, Missy Bangala, Ados, Lexis Legal. On vient tous d'être arrêtés. On nous amène vers l'IPEKIN maintenant. Fais circuler la nouvelle, on est une trentaine de personnes. Il y a le lac sur le mur de Missy. Arlène, Vigo, moi, Lexis, Ados, beaucoup de gens. Oui. Peter Komondo, Adiane, Bajika, beaucoup de monde. Oui. On nous a amené vers l'IPEKIN, vers l'IEC là-bas. À mon passeport. Oui, pour l'affaire du passeport. Il dit ça maintenant sur mon mur et sur le mur de tout le monde.
On arrive à Lipekin. On est à Lipekin. On fait notre part. Et pas des assassins. C'est notre pays. Voilà. On aime bien notre pays. On l'adore. Les assassins.